Non, c'est... Oh, le quatrième kill, peut-être. Non. Non, il a chié dans la colle. Oh, non. Bienvenue à tout le monde, c'est Mamzwell. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. 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 Calme-toi. J'ai pas pris mes pilules, hein. Elles sont où? Ladies and gentlemen, nouvelle vidéo sur Voisin d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est quel jour, les gars? Jean-Michel, on est quel jour? On est lundi. Bah, tu sais ce qui se passe le lundi? Spec Solo, épisode 26, évidemment. Messieurs, dames, 26e épisode du Spec Solo. Et cette semaine, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. J'espère que ça va marcher. Je vais essayer de lancer un lobby en Europe. Parce que je me dis, peut-être que j'ai envie de tomber sur des Français. Peut-être j'ai envie de tomber sur vous, des membres du clan des demi-dieux. Donc, je vais essayer de lancer un lobby Europe. Je sais pas si ça va fonctionner. J'ai juste fait une modification au niveau des... Quand tu lances Activision Battle.net, là, tu peux mettre Amérique, Europe ou je sais pas quoi, Asie. J'ai mis Europe en espérant tomber sur des FR ou des gens qu'on connaît. On va croiser les doigts et peut-être qu'on va voir d'autres crapules, des crapules européennes. Parce qu'il y a des crapules mexicaines, des crapules nord-américaines. C'est bon, on en a vu. Peut-être des crapules européennes. J'espère que le spec solo vous plaît toujours autant. En tout cas, c'est un concept qu'on essaiera de continuer le plus longtemps possible. Peut-être qu'à un moment, ça vous plaira plus, mais on va essayer. Là, on a plus le temps de faire des blagues. Je t'envoie les gameplays. Avant d'envoyer les gameplays, n'oublie pas, on met un pouce bleu à la vidéo, on met un commentaire, on s'abonne si t'es pas abonné, la cloche de notification, le code Mamzwell dans la boutique de Call of Duty, également la collection pacifique toujours disponible à zangame.com/Mamzwell. Je te fais des gros bisous, c'était Mamzwell, ciao, bye bye. Bonne vidéo, bon spec solo, venu pour le tour de Nessis. Spider-Man! Spec solo épisode 26, ladies and gentlemen, bienvenue, le rendez-vous du lundi soir, les gars. Je sais qu'il y en a plein qui mettent dans les commentaires, Mamz, merci tous les lundis, on attend ça avec impatience. On est là, les gars, on est là et on sera là tous les lundis. J'ai essayé de faire quelque chose de spécial, je vous ai expliqué dans l'intro. C'est que j'ai essayé de lancer le jeu avec les serveurs Europe pour essayer de tomber avec des Français, avec des gens peut-être que parmi vous, je sais pas. Alors, je sais pas si ça va fonctionner. En tout cas, le ping que j'ai n'est pas le ping que je devrais avoir si j'étais en serveur Europe. Normalement, je devrais tourner entre 250 et 300. Mais peut-être que je suis avec des Européens, qui sait. J'ai aussi également changé quelques paramètres concernant la qualité du jeu. Donc, ça peut être bien meilleur ou alors au contraire, bien pire. Mais on est là. Spec Solo épisode 26. On continue la route. La route est longue. Le chemin est long et obscur. Hop, hop, hop. Cette vidéo est sponsorisée par Iron Sight. Iron Sight est un FPS gratuit disponible sur Steam. On est actuellement en plein dans la saison 7 du jeu qui a débuté en décembre. Avec cette nouvelle saison, encore plus de nouveautés, notamment des accessoires dorés, un nouveau mode jeu d'armes en solo et un nouveau Battle Pass avec 100 items à débloquer. Et également un nouveau mini-jeu stand de tir qui a été ajouté afin de travailler ton shoot et surtout défier tes amis. Et je te le dis, mais ça c'est un secret, tu le gardes pour toi. En téléchargeant le jeu maintenant avec le lien qui se trouve en description et ce jusqu'au 23 février, donc faut se dépêcher, tu auras accès à des items exclusifs avec ce code que tu dois rentrer directement dans la boutique du jeu en bas à droite. Tu vas voir, il y aura marqué hashtag code promo. Ironside. Très très bon FPS, encore merci à Ironside de sponsoriser cette vidéo. Maintenant, back to the gameplay. Vous le savez, le but, hein, c'est de, on se tue début de game. On essaye d'arriver 140e. Je pense pas que ça va être possible parce qu'il reste que 141 ennemis dans le lobby. Et on spec les créatures qui se posent devant nous. On pense bien sûr aux streamers qu'on a eu il y a deux semaines. On pense aux crapules qu'on a eu la semaine dernière. Et je pense que cette semaine, je sais pas pourquoi, mais j'ai mis Europe. Donc je m'attends à tomber sur des crapules. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Bon, 172 de ping. C'est sûr que là, le goulag, il va être... il va être compliqué à win. Que dis-je? Facile. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il... Pourquoi tu... Ça va pas? Il tirait sur des spectateurs! Bon, on va être 139e, j'espère. On va essayer de se tuer plus vite ici, là. Voilà, 4, 3, 2, 1. 139e, c'est pour nous. Malheureusement, ça fait longtemps qu'on n'a pas été 140e. Hein. 138e, malheureusement, les gars. Come on! Spectateur, on est avec qui? On est avec Killer Robert, qui est actuellement à Dox, qui fait un défi flag, qui a ping un autre défi, point d'interrogation, mais il a déjà ramassé un flag. Il est à 0 kill. Il a une automate dans la main. Il est niveau 138. C'est Killer Robert 69, hein, lui, voilà, le 69 évidemment, le numéro complémentaire, hein, on le sait ça. C'est une auto, ouais, c'est bien une automate, je rêve pas ça. Alors, faut savoir que je ne viens jamais dans cette zone. Est-ce qu'il y en a parmi vous, dites-le honnêtement, qui viennent tout le temps ici à Dog? Je sais pas pourquoi, mais ça me donne pas envie. Et c'est le problème de Caldera, on le dit. Hein. Il y a énormément de zones intéressantes, tu vois, Arsenal, Dog, Runaway, Runaway, j'y vais jamais que en fin de zone. Beachhead, des fois j'y vais avec Tulum, le spot de DD. On a Subpen, j'y vais jamais. Resort, j'y vais très peu. Il se fait tirer dessus là. Yo, 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 a tiré à ta gauche, il a pas vu. Oh, eh, moi je trouve que mon jeu est beaucoup plus beau comme ça, n'empêche. Hein. Les couleurs sont un peu plus vives, mais le jeu est beaucoup plus beau. Eh, vous en pensez quoi de cette saison 2 maintenant que ça fait plus d'une semaine que c'est sorti? Moi je trouve que c'est vachement positif. Avec l'ajout des ballons, rien que l'ajout des ballons, pour moi ça fait tout.
Même si on a envie encore un peu plus, mais moi je trouve que la saison 2 est vraiment top. Gros GG Activision Raven Software. On attend encore plus, mais je pense qu'ils nous gardent un peu de surprise pour Warzone 2 en espérant que Warzone 2 va être vraiment cool. Si vous n'avez pas suivi toutes les infos concernant Warzone 2, j'ai été invité à une conférence qui s'est tenue il y a 2 semaines à peu près. Donc il y a une vidéo qui est à ce sujet sur ma chaîne, s'appelle Warzone 2, toutes les infos. Enfin bref, vous êtes assez grand, vous allez tout chercher de toute façon, vous êtes des beaux gosses. Je disais qu'il y a énormément de zones intéressantes. Par exemple, Lagoon, j'y vais très peu, tu vois. Il y a Power Plant, j'y vais un petit peu. Quand même, n'empêche, Capital, j'y vais que parce que la zone va vers Capital, tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage qu'il n'y ait pas toutes ces zones un peu plus au centre, mais j'imagine qu'ils ont un plan futur pour Caldera. On va espérer, hein? Évidemment, on espère que Caldera est un futur brillant. La balle dans la tête, peut-être. Ah, je sens qu'on va se faire chier, les gars, je suis désolé, hein. Je suis désolé, je vous entraîne dans cette mascarade où on va spec un lobby solo chiant. Mais Robert, je suis sûr qu'il est capable de nous vendre du rêve, Robert. Voilà, il est accroupi, il y a son loadout qui vient de tomber. Et Robert, je te sens d'humeur là, Robert. En plus, là, on est en Vanguard Royal solo seulement, donc uniquement les armes de Vanguard qui sont autorisées. Moi, je suis pas fan. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont fans qui disent « Ouais, mais même, je pense à ceux qui n'ont pas les armes de... » Il y a un mec au-dessus de lui, là. Mais je pense aux mecs qui n'ont pas monté les armes de Cold War ou de Modern Warfare, c'est bien aussi que tout le monde soit au même niveau. Oui et non, parce que bon, les armes de Vanguard, c'est pas fou, à part la Bren évidemment. Moi, quand je joue en solo, j'aime bien jouer au snipe. Et quand je joue au snipe de Vanguard, j'ai pas cette sensation. Même si j'ai déjà sorti des grosses games avec le snipe de Vanguard, mais j'ai pas ce petit truc, quoi. Tu vois, j'ai pas ce petit truc. Les gars, je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais c'était pas mon but qu'on se fasse chier avec Robert, mais j'ai l'impression que Killer Robert 69, à part mettre 69 dans son pseudo, il sait pas faire grand chose, hein. Alors, vu le spécimen, moi je pense qu'il joue. Ça m'étonnerait qu'il soit au courant, quoique il est niveau 138 quand même. Niveau 138 cette saison, c'est qu'il y a joué. Il est peut-être au courant de la méta PPSH. Méta PPSH, by the way, qui est broken, hein. Y a J-God qui a fait des tests, il y a True Game Data qui a fait des tests. La PPSH en ce moment est buggée, mais buggée dans un sens où elle est cheatée alors qu'elle ne devrait pas l'être. J'ai envie de dire tant mieux, ça fait du bien, elle est sympa à jouer. Oui, elle est cheatée, la PPSH, elle est cool, mais ça fait un peu de changement, tu vois. On était full MP40 pendant un moment, et là, la PPSH, elle est très très forte. Hein. Fais attention, il y a un peu de courant là. Never mind, ne va pas chercher ta caisse, il n'y a pas de souci, mon pote. Va faire le drapeau alors que le drapeau se finit dans 5 secondes. Oui, c'est... Là, il se dépêche. Oh non, vite, vite, le drapeau, vite, vite, vite. Mais c'est fini, mon plouco, c'est fini. Finito, pipo. Ah ouais, ben ça c'est trop tard, fallait bouger tout à l'heure. Je veux, Robert, que tu ailles jusqu'au bout. Je veux au moins... Alors les gars, je veux que Robert fasse au moins 3 kills. Si Robert fait 3 kills, je mets le code Mabzuel dans la boutique pendant 6 ans. Voilà. Ok les gars, et même si Robert, écoutez-moi bien, si Robert fait 3 kills, je mets le code Mabzuel dans la boutique pendant 6 ans. Si Robert ne fait pas 3 kills et meurt avant, je mets le code Mabzuel dans la boutique pendant 20 ans. Voilà, c'est le deal qu'on a ensemble. C'est le deal qu'on a ensemble. Je trouve que c'est un deal un peu quand même fair play. Hein. N'oubliez pas que mon code est enfin disponible. Je profite de cet instant pour vous le rappeler. Enfin, j'ai envie de te dire, enfin, parce que Robert nous intéresse très peu. Ça fait quasiment 2 ans que Warzone est sorti. Et il n'y avait que très peu de créateurs de contenu qui avaient leur code. Hein. Autant côté anglophone que côté francophone. Côté francophone, on avait Sky, Show, Saxy, Lolo... PG, Yuna, Gotaga, je sais pas si j'oublie quelqu'un, je suis désolé si j'oublie quelqu'un, mais alors qu'il y a énormément de créateurs de contenu sur Call of Duty aujourd'hui qui le méritent, je dis pas que ceux qui l'avaient ne le méritent pas, évidemment qu'ils le méritent, mais il y en a d'autres aussi qui le méritent, et il y en a encore qui n'ont pas leur code aujourd'hui et qui le méritent amplement. Mais bref, je sais pas pourquoi Activision ne donne pas le code à ceux qui le méritent, entre guillemets. Regarde, la preuve Fortnite, ils le donnent quasiment à tout le monde. Il suffit d'avoir 1000 abonnés, je crois. C'était ça le palier à un moment donné, à l'époque où j'avais fait ma demande. Mais je sais pas, peut-être qu'ils ont peur de perdre un peu trop d'argent. Mais bon. Au moins, le code Mabzuel est disponible et ça, c'est beau. Hein. Donc vous le mettez, vous achetez le pass de combat, vous achetez toute la boutique. Hein. Même si la boutique de Vanguard, elle est... Vous achetez toute la boutique et ça, c'est beau, ça. Oui. Il a 9009. Il a un sniper mauve. Mais tu sais que je remarque dans les specs solo. Et vous allez me dire si vous, c'est le cas aussi. Mais il y a énormément de joueurs qui ne jouent pas leur loadout. Tu vois, moi, je trouve que sur Warzone, et c'est une fonction du jeu, c'est important d'avoir son loadout. Même si c'est la première chose à laquelle je pense, avoir mon loadout et ensuite enchaîner derrière. Mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui s'en foutent du loadout. Est-ce que c'est parce que... Ils n'ont pas monté les armes du jeu, donc ils n'ont pas de classe. Les classes au sol sont meilleures que les classes qu'il y a dans le loadout. Ou alors c'est juste qu'ils n'en ont pas, ils ne ressentent pas l'envie et le besoin. Est-ce que vous, parmi vous... Ah oui, ça c'était pas une fenêtre, Robert. Est-ce que vous, parmi vous, le loadout est une priorité? Oui ou non?
Ah ouais, moi je vous pose des questions là. Robert, il nous casse un peu les couillasses et moi je vous pose des questions, j'en profite là. Qu'est-ce qu'il a acheté? Qu'est-ce qu'il va acheter? Il a rien acheté, super. Il a ouvert le shop, il a dit... Non. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Il est chiant ce bâtiment, en plus il est chiant. Ah oui, le premier kill de Robert. Le crack-shield, Robert, c'est beau ça. Oh, Robert. On dirait une grenouille. Robert. Ah, le rush. Non. Bon, j'y vais. Non. Robert, tu commences à me saouler, sache-le. Je tiens à m'excuser, il y a des petits bourdonnements dans mon micro parce qu'en fait, ce micro est mal configuré. Et il faut que je le reconfigure, il faut que je change surtout de micro, il faut que je change de table de mixage. Donc ça fait déjà 2-3 semaines que des fois, tu entends un petit... Robert ! Robert, il reste une balle. Robert, il reste une balle. Je te jure, il reste une balle, Robert. Fais pas le con. Oh, il va se faire tirer par derrière. Oui, tue Robert, s'il te plaît. J'en ai marre de lui. Le sniper, peut-être. Robert, la balle sur la tête. Non, tu t'es précipité, Robert. Prends ton temps, je prends ta tire, Robert. T'inquiète pas. Boum. Je crois qu'il peut tirer. Je crois que le mec, il dit, c'est bon, je suis invisible. Je me suis caché derrière le ventilateur. C'est bon, je suis invisible. Robert, prends ton temps. Mets-toi une placos. T'inquiète pas, tout va bien se passer, Robert. Petite balle dans la tête, Robert, attention. 3, 2, 1. Dark Shield. Come on, Robert. Come on, Robert. Robert, tu sens qu'il a quand même un petit... Non, il s'est... Robert, tu sens quand même qu'il a... La tête, Robert. Oh, il était pas loin. Tu sens qu'il a quand même un petit niveau sur Call of Duty. C'est pas pour rien qu'il ait niveau. Le pied. La tête. Non, Robert! Et il se fait tuer pas! C'est un autre mec en plus qui le tue, c'est même pas le mec en blanc qui était juste en bas. Oh, Robert, c'est dommage. Même pas un kill. Tiens, je suis étonné. Oh là là, non, Robert n'a pas fait de kill. Oh non, c'est qui le tue? C'est Aern. Aern 121, 1-to-1. Donc il sait pas qu'il y a le mec sur le toit là-bas. Et il s'est niqué un mec en blanc en bas. Allez, Aern, 2 kills. Ouais, déjà, tu sens que lui, il est un peu plus agressif que Robert, c'est déjà mieux. Il a déjà ses classes, parce que c'est une arme, sauf si c'est une arme du goulag, mais ça m'étonnerait qu'il y ait cette arme au goulag, là. C'est la nouvelle SMG, ça, non? Ouais, plus agressif, pas vraiment, en fait, je me suis trompé. AR n'est pire, je préférais Robert. Yo, bring back Robert. Yeah, bring back Robert. Et les gars, je vous donne rendez-vous le jeudi, là, ce jeudi. 20... Ça bouge pas, dis donc! C'est beau, ça, faudrait que j'essaye cette SMG. Ah ouais, ça bouge pas. Je vous disais, je vous donne rendez-vous ce jeudi 24 février pour vivre ensemble en live sur twitch.tv/mabzuel. Évidemment, si vous savez pas, dépêchez-vous de nous rejoindre. L'éclosion de mes œufs d'aigle. Ça va être magnifique. C'est des NFT. Ça va être magnifique. Donc, on va vivre ça ensemble. J'ai hâte. Peut-être que vous savez pas du tout de quoi je parle, mais je vous jure, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Jeudi 24 février, twitch.tv/mabzuel. Pourquoi on tombe sur des ploucos? Pourquoi? Pour votre info personnelle, il faut savoir qu'en solo, les gars, il y a moins d'SBMM. Vous allez me dire, mais non, Mabzuel, t'es juste des bidos, t'es lobby, c'est des ploucs. Non. En solo, il y a moins d'SBMM et ça, ça a été confirmé. C'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de gens qui sont un peu perdus en solo. Et ça, c'est... Je sais pas. Alors, je pense qu'ils l'ont fait parce que c'est justement le mode solo. Lui, c'est un semi, tu sens qu'il joue un peu, tu sens qu'il regarde les vidéos YouTube, tu sens qu'il regarde des gameplays de Huskers, de Aidan, mais il n'est pas encore prêt à passer le cap, tu vois. C'est un rusher refoulé, c'est un rusher refoulé, it's a refoulé rusher man, mais on va le suivre, hein. Il est déjà à 3 kills, il est avec sa petite arme, avec sa PPS, non, sa STG en arme principale, non, c'est la Cooper, c'est la carabine Cooper, je me suis trompé. En tout cas, cette semaine, c'est un spec solo qui est vraiment très, on va dire, qui bouge beaucoup. Ah, il y a un kill à se faire, là, mon gars. Il y a un quatrième kill à se faire, je te jure, c'est le moment. It's your time to shine, ladies and gentlemen. Yeah. On n'aura pas bougé de la zone, quoi. On est arrivé doc, et j'ai l'impression qu'on va finir doc. Out in the sky, Bruno walks in with a mischievous grin. Thunder, telling the story and I'm sorry, maybe not go on. Bruno says it. Oh, le quatrième kill, peut-être. Non! Non, il a chié dans la colle. Oh, non! Qu'est-ce qu'il a fait à N121 qui se fait tuer par... Le pseudo. Dizzy, il y avait un truc Dizzy. X-Drizzy the God.
qui est à son deuxième kill. Il y a Gdeplouk qui joue DP27 hein, avec le chargeur pizza ou le chargeur bobine de film. Qu'est-ce qu'il va acheter? Un masque à gaz. Super. Hey, j'en vois de moins en moins des masques à gaz. Ça devient de plus en plus utile. Je sais pas vous, mais moi j'en vois de moins en moins. We don't talk about Bruno. No, 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 no. Ah! Ah, il a un loadout! Je ne savais point. Qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va prendre fantôme? Je ne sais pas s'il a fantôme déjà. En tout cas, c'est une belle variante hein, de cette DP27. Il faut savoir que les variantes de Vanguard manquent un peu ce petit peps. Il y a toujours le mec en haut où je rêve. Qu'est-ce qu'il a pris? Oh, il a pris un snipe, non? Il a pris snipe et il reprend sa DP27? Oh, ça va pas te servir à grand-chose ton snipe si tu restes ici, mon ploukos. Braderie! Il a pris là tout des plaques. Il y a toujours le mec en haut. Il y a toujours le mec en haut là-bas. Double point. Braderie. Mort instantanée. Donnez-moi leurs âmes. Il y en a qui ont la ref ou pas de tout ce que je dis là? Si vous avez la ref, c'est que vous êtes des gens extraordinaires. Que vous avez vécu une époque incroyable. À gauche. Oh, il est horrible, il se met derrière la porte. Oh, il est horrible. Knock, knock, who's there? Double point. Mort instantanée. X-Drizzy the Gound. La zone qui n'est pas en sa faveur. La zone qui commence à se refermer, qui va aller directement se finir ici. J'aime bien quand ça se finit à Arsenal. C'est une belle zone de fin, ça. J'ai jamais testé la DP27, tiens. Si, je l'ai testé une game, j'avais pas kiffé. Enfin, parce que c'était encore le moment où il y avait full brain. Mais elle a l'air d'être pas dégueu, elle a l'air d'être pas dégueu. Oh, 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 petit 2000. En haut, il l'a pas vu en haut. Oh, c'est le même plouc qui tombe sur le toit. Ils ont tous le même skin, là, le t-shirt bleu casquette. Non, c'est bon, vous commencez à me saouler avec vos skins. C'est bon, ramasse ta plaque. Et c'est mort. Et c'est mort, l'autoréa peut-être, coming in clutch. En plus, il va devoir bouger avant lui parce qu'il est pas dans la zone, le ploucos en face. Oh, la termite. Oh, c'est bien joué, non, il va remourir. Et oui. Et c'est Robert. Oh, let's go, Robert. Voilà, c'est ça que j'ai envie de voir de ta part, Robert. C'est le comeback. Il a gagné son goulag. Il est revenu. Il a pris ses armes. Je sais pas si c'est des variantes du sol, ça. Mais il avait lui aussi une DP27. Robert is back, ladies and gentlemen. Je vous ai dit, les gars. 3 kills et vous devez mettre le code Mabzuel, Robert. Un seul kill, Robert. Et tous ceux qui regardent cette vidéo mettront le code Mabzuel dans la boutique Warzone. Ils vont le faire parce que c'est des beaux gosses. On l'avait prédit, mon Robert. On est ensemble au-dessus de toi, Robert, le troisième kill. Oh non, Robert, à ta gauche. Non. Robert, ils vont quand même... C'est AR, non plus. C'est notre ploucos qui revient. C'est AR121. Oh, il n'y a que des gens qu'on revoit, là. Super. Vous allez quand même mettre le code Mabzuel. Oh, ça c'est une certitude. Hein. Aern is back, on a eu le comeback de Robert, on a le comeback de Aern, peut-être qu'on aura le comeback de, comment il s'appelle déjà l'autre, Drizzy le campeur, ou Drizzy le petit Zizi, évidemment. Aern, le monde compte sur toi. Aern, le clan des demi-dieux et la chaîne YouTube compte sur toi. Oh non, mais c'est Drizzy lui, c'est Drizzy 100%. Non. Ah, come on Aern, ça te rush. C'est Mavant qui a... C'est moi ou tout le monde a le même skin? C'est un bug, non? Mec, tout le monde a ce skin-là, t-shirt bleu casquette. On est avec Mavant. Ou Mavant. Mavant, le frère, évidemment, de... Non, je vais arrêter la vanne ici. Ils ont tous le même skin. 3 kills, niveau 34. Mavant, MP40, j'ai pas vu son arme principale. J'imagine que c'est aussi la DP27. J'ai l'impression qu'ils jouent tous DP26, ils ont tous le même skill. C'est le même skin, c'est que des frérots en fait. C'est que des jumeaux. La zone, je l'aime bien cette zone. Elle est stylée en fait. Cette zone, elle est vraiment stylée. T'es avantagé si t'es ici, c'est sûr. T'es avantagé si t'es dans ce bâtiment aussi là. T'es vachement, enfin, si t'es là, t'es avantagé. Et là aussi, t'es avantagé. Mais c'est pas mal aussi d'être sur cette autodome, mais t'as pas beaucoup de cover. Ce qui est cool, c'est que tu peux jouer en dessous ici, parce que t'as un passage en dessous. Et la zone est vraiment belle, tu vois, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il va jouer? Il prend ses armes, ça tire à sa gauche. Petite DP27 peut-être, non? STG, atout alerte maximale, il se fait lancer du gaz à côté. Il garde le petit pistolet, non, il ramasse la MP40, c'est fait. Il y a un mec qui arrive en face de lui, il y a deux mecs, non, il y a deux mecs, mais non! Non, 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 il se fait tuer par Litter, Litter qui prend le deuxième kill aussi. Qui va finir, l'auto-réanimation, coming in clutch, non, Litter qui prend son deuxième kill, il y a une arme en or, je sens que lui, il n'est pas venu ici pour rigoler, lui. Litter, il est déjà son... Ah non, sixième kill, automate en or, l'automate, il revient beaucoup, hein, sur... Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça pour ça, Litter.
tout ça pour finir AFK, leader. Tout ça pour se faire tuer par Coca-Cola. Non, mais à un moment donné, tu t'es fait tuer par Coca-Cola, la honte. T'imagines se faire tuer par une bouteille de Coca-Cola. Non, mais on tombe sur des cas, là. En plus, il ramasse la brand de leader, l'automate également. Je disais, l'automate qui est revenu sur le devant de la compétition, le devant de la scène avec la compète. Beaucoup de joueurs professionnels jouent à l'automate. Je sais pas pourquoi, parce qu'elle a un petit recul quand même, mais elle doit être agréable à jouer. Bon, mais on va regarder Coca-Cola, les gars. Si Coca-Cola gagne, j'offre une bouteille de Coca-Cola aux commentaires qui aura le plus de likes dans cette vidéo. À vous de jouer. Oh là 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 là, cette conduite. Hein. Oh non, Coca-Cola qui... Il s'est bloqué. Il a bloqué. Non, il a roulé sur la bonbonne de gaz. Oh. Tu me diras. Le comble. Le comble de rouler sur du gaz pour Coca-Cola. Hein, c'est le comble. Malheureusement, vous gagnerez pas de Coca-Cola. Vive Pepsi. C'est qui le tue? C'est Eric. Eric, c'est le frère de l'autre Eric, du coup. De Robert. C'est le frère de Robert. Eric, c'est son premier kill. Les niveaux 116, c'est son premier kill. Qu'est-ce qu'il a fait durant toute la game? Moi qui pensais, on s'était fait chier. Il joue PPSH, hein. Il n'est pas setup comme il faudrait, mais il joue PPSH également. Moi qui pensais qu'on s'était fait chier avec Robert et toute la clique, je pense que si on avait spec Eric, on serait en train de dormir à l'heure actuelle. Eric vend nous du rêve. Brent, 3x3x6. PPSH, pas setup comme tout le monde, tu n'as pas la zone, tu es dégueulasse, franchement Eric, j'espère que tu meurs. Pour son bien, évidemment, ça serait mieux qu'il aille à gauche, parce qu'en descendant, mais voilà, il va se taper les gens qui vont avoir la top pose sur lui. Et là, t'es dans la merde, Eric, hein. Comment tu fais, Eric? Comment tu fais? Là, t'as aucune cover, tu penses que tu peux te nager dans l'eau, mais tu ne peux pas. Et personne ne lui tire dessus, là, quand même. Oh! Oh, il y a un poisson, là, qui se baigne dans l'océan Pacifique, là. Oh! Oh, la frappe me dispé. 1v1v1. Je pense que les deux se trouvent là-bas, hein, parce que là, il y a une frappe à dispé qui a été lancée. Il y a quelqu'un qui lui a tiré dessus. Il est pas zone, il va devoir bouger, là, Eric. Comment? Venez le tuer, les gars. Venez tuer Eric, s'il vous plaît. C'est une crapule, il est à un kill. Mais bon, comme je le dis tout le temps, Warzone est fait pour tout le monde. Et voilà, Eric, il a un kill. Ça, il peut aussi gagner, tu vois. C'est comme ça. C'est comme ça que je t'aime pas. Il est dégueulasse, il a dû faire ça toute la game. Mais je suis sûr, et je suis pas en train de critiquer là, je vous le dis, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui jouent comme ça. Qui vont à un spot, qui bougent pas, qui attendent la zone. Et c'est ça un Battle Royale. C'est ça un BR1. Le but c'est d'être le dernier survivant, c'est pas d'être le plus beau, évidemment. 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 Un mot, une chanson. Ah, je vous le dis, un mot, une chanson. Évidemment. Évidemment, Eric va camper l'éternité. Il y a quelqu'un. Allez, Eric. Allez, Eric, tu l'as vu. PPSH. À gauche, à gauche, à gauche. Eric, il va tousser là. Non, il a un masque. Il peut remonter là ou pas? Est-ce qu'il y a une échelle? Est-ce qu'il y a une échelle? Erico, est-ce que t'as une échelle, mon Ploukos? Faut réfléchir vite là. Il y a une échelle, je crois. J'ai cru voir une échelle, mais il faut réfléchir vite, Eric. Là, t'as pas le temps de... Masque à gaz et on se casse. Voilà, c'est parti. Eric qui prend le move, là. 1v1v1 toujours. Come on. Il va arriver dans le bac d'un ennemi, donc c'est pas plus mal. Faut qu'il aille à gauche. Bonne idée, ça, Eric. Bon décalage. Le bâtiment à gauche sera ta maison. Ce tombeau sera votre tombeau. Allez, Eric. Tu peux le faire. You can do it. Non. Et non, et non, et non. Évidemment que non. Évidemment que non, petit escargot. C'est qui c'est? Pas d'homme, c'est ça? Qui le tue? Avec combien de kills? Avec 7 kills. Cooper. La Cooper est toujours très jouée. Hein. Je pense qu'il va gagner, il a top pose. Est-ce qu'il peut sauter sur l'autre bâtiment? Si tu peux sauter sur l'autre bâtiment, t'es bien. Mais il a la zone sur ce bat, donc il a pas besoin de sauter, mais je pense qu'il peut sauter. Il a la top pose. Il va aller sur l'autre bâtiment. Normalement, c'est win. Je ne vois pas comment... Fat Doink. Ah, c'est Fat Doink, ok. Ne peut pas gagner. S'il perd, c'est qu'il a foiré. Et tu pop tunes. T'es bien joué. Le 8ème kill. Pas forcément le spec solo le plus intéressant, mais on a pu passer un bon moment ensemble. Et vous avez bien évidemment tout de suite mis le code MAPZOEL. Bon, malheureusement, j'ai pas eu d'audio. J'ai pas entendu de gens qui parlaient. Je pense pas qu'on soit tombé sur des lobbies européens. Malheureusement, j'ai essayé. Pour la prochaine fois, je vais peut-être demander à un pote à moi qui se trouve en Europe ou en France de record une game. Et moi, je commente la game par-dessus son record. Je pense que ça peut être une bonne idée. Comme ça, au moins, il y a moyen que je tombe peut-être sur vous ou sur des FR, tu vois.
Bon, que retenir de cette belle journée, de cette belle soirée passée ensemble? Rendez-vous jeudi 24 pour l'éclosion des œufs, le code McDonald dans la boutique, le giveaway de Pacific qui est disponible maintenant. Yo, GG, man. Yo, Fat Doink, you're so good, man. GG. Yo, the great Dabino. What's up, my man? Yeah, have a good day, man. And eat the steak frites, okay? Very good steak frites for you, man. I got four kids. Comment il entend dire? J'ai eu 4 kills, les gars, je suis juste le meilleur, en fait. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout à celle de Mabzuel. Les gars, j'espère que ce spec solo vous a plu. Pas grand-chose d'intéressant, mais c'est quand même le rendez-vous hebdomadaire, hein, j'ai envie de te dire. Ben ouais, parce que t'es un petit peu le boss. Je te donne rendez-vous toute la semaine pour des vidéos YouTube. Le lien du giveaway pour la boutique pacifique sera en description, donc n'hésite pas à aller checker. Je te fais des gros bisous, c'était Mabzuel. Ciao, bye bye. T'es un beau gosse, n'oublie pas ça. Spider-Man.